place, ça c'est ma honteur. Wall of Death. Wall of Death. Merci. Merci Cafetas. Merci Metal Academy. Si beau avec leur petit barbare. Hey, ok, Lex, c'est à toi. Actually, a good name for it. Hein? Je me fais ça sur une chest. Comme ça, je vais dire. Oh, wow, j'ai un micro. Eh non, je mets trois gros chests. Hey, fantastique prestation. C'est la deuxième fois que je vous entends. La prochaine fois, la première fois, je vous regarde. La deuxième fois, le débardeur, c'était juste. Mais j'aime bien ce que vous faites. Vous êtes comme la nouvelle vague de Unexpected, sans trop exagérer, honnêtement, mais je sens que vous prenez un risque musicalement. Je trouve ça hot. Là, je saute vraiment des points que j'ai mis à la fin. Des petits fucking whispers, là. Asti, je trouve ça hot. J'ai vu des yeux faire Asti, c'est gothique. Mais Chris, que je trouve ça bon. C'est rare qu'on va faire. C'est rare qu'on va faire. Non, mais les super de même, ça a donné des émotions récurrentes. Il y avait quelques douches qui parlaient. Et là, il y avait quand même un silence qui s'est fait. Et j'ai trouvé ça très cool. Puis c'est vraiment un risque que vous prenez de. Aussi, toi et vous, de vos tempos, tout ce qui est comme valse, polka. Bon, la polka, style Fender et compagnie, c'est révèle souvent. Mais la sonorité que vous y mettez est vraiment là. Petit bout de valse de la toune qu'on vient d'entendre, justement. Pour ceux qui savent compter, c'est comme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que c'est ça, c'était très cool. J'ai adoré votre look qui est très cohérent. Moi, un petit peu plus de sang. Juste un peu plus. Non, mais juste un peu. De toute façon, en tour, c'est cool parce que vous avez deux filles pour se plier. Tu sais, ils sont comme menstrués comme différemment. Ça va être génial. Non, mais Chris. Hey, si les rock bitch se crossent avec des tampons, ça devait quand même vous maquer à la face avec ça. C'était pas dégueu. Surtout, j'ai manqué. J'ai manqué blaster lui, parce que comme au début, il a comme pas de bannière avant tout le monde, mais ça s'est corrigé. Belle prestance, vous avez une belle communication sur le stage. Ça paraît que vous avez tous déjà couché ensemble une fois. Mais non! C'est des faux streamers facebookiennes! Mais Chris, tu chantes les tunes, chante les tunes dans le micro aussi. Dans toutes les bandes qu'on a eues à date depuis le concours, il y a souvent des choruses de 3-4 chanteurs. Tu chantes les tunes, à un moment donné, proche-toi du micro, dis-les, chante avec eux. Parce que ça serait hot, ça punch. Toutes les bandes qui torchent vraiment gros, genre souvent ils ont des chorus. Moi je parle de Behemoth qui ont comme trois gars qui se gueulent. Tu devrais chanter des fois, je sais pas, t'as peut-être pas de voix ou t'es muet là. Ça je sais pas. Mais si tu connais le tune, t'es capable de faire. Yeah! Tu devrais le faire. Au niveau du vocal, la prestation au niveau du bassiste-chanteur. Toutes tes membres, par exemple, devraient leur donner un cours de fast grim dans le bout du zombie au début. Parce que, Maud, t'étais pas trop zombie, t'étais comme, ah, tu vas finir ce petit bout de zombie. Puis tu devrais zombie plus. Écoute Walking Dead, lui, de se crasser en regardant ça, parce qu'il était vraiment dingue. Ah, c'est Walking Dead. Fait que, Sam était fâché, mais toi, t'étais juste comme sur le bord du sourire. Mais t'as pas souri, puis t'as gardé ton pas sourire, mais t'étais pas loin. Elle a s'encrissé. Maud, ton vocal d'opéra, ou ton vocal clean, il sonne bien. T'as une belle voix. Ça fait-tu longtemps que tu chantes comme ça? Ça paraît. Dans le sens que t'as une belle voix, t'es sur la note,
t'as pas de souffle. On t'entend plus quand tu chantes dead que quand tu chantes clean. Mais ça vaudrait la peine de, je sais pas, bon, les cours de chant, c'est la bullshit, tout le monde dit, mais ça vaut la peine de. Un cours de souffle pour donner plus de puissance parce qu'il était dans le tapis, puis tu sonnes bien, puis on t'entend pas, puis sur le disque, on t'entend, mais on peut te prendre sur le disque, oui, non, c'est toi, non, c'est pas toi, c'est... Non, mais en tout cas, là, tu sonnes bien, ça serait bon qu'on t'entende plus. J'en reviens en fait avec la bullshit des in-ear. Tu sonnes assez juste pour dire que, ben oui, tout le monde veut mettre 6 000$ sur des in-ear. Mais j'aimerais ça en avoir. Ah, man, je suis sûr qu'il y a un gars que tu pourrais, comme, faire des choses sexuelles avec, partager avec Sam, pour, avec Max, pour genre des écouteurs, des in-ear. Ben, t'as une belle voix, ça vaudrait la peine que tu mettes l'effort pour. Au niveau du drum. Ouais, mais il faut que je mette une joke le cul, check la gang de petite fuckée qui est autour. Ils sont tous allumés. Au niveau de la batterie, très tight, ça manque de fills. T'as le tempo, t'as le beat, mais comme ça fait comme... On a besoin de quoi entre une transition, une descente, un riff, quelque chose de fucké au drum, juste pour pas que ça soit juste comme une track de fucking V-drum, de drum machine. T'as besoin de décorer la musique au niveau de la batterie, puis ça je pense que autant t'es ta tête qu'autant que c'est ça qui manquait, autant la musique est comme over the top que le drum est super basique, tight. Mais super basique. C'est juste que je trouve que musicalement, c'est ça qu'il y a à travailler. C'est au niveau du drum. Et j'ai-tu une autre niaiserie que j'ai écrit? Non, tout est beau. Belle prestation, j'ai adoré. Les bouts ralentis, c'est du génie, là, quand ça... Je sais pas si c'est voulu, mais ça fuck le monde. Ils sont là, il y a dedans, ça ralentit. Chris, son bout, son gars, oh, c'est slow. Mais c'est là. Quand je disais, vous prenez des risques, et là, je passe ça à... Oh! 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 Parle trop longtemps, mais parle. Oh, damn! I'm gonna keep it short and sweet, but, ouais, le show est vraiment hot. Like, I love that you guys have all, like, a good look about you guys, too. It's good. You guys were easily the most entertaining band to watch tonight. Like, vraiment une bonne énergie, bonne présence sur stage. Comme, you know, congratulations, that's fucking great. What was it? I know I had notes somewhere. The guitarist, though, man, like in your face, like I want to see more emotion from you specifically. Like you felt like it looked like you were just kind of old in your own little world. Sometimes it's like, oh, now it's time to headbang. Like boom, okay, you got it. But like I just want to see like that you're passionate up there. Like you're really enjoying yourself rather than just sort of playing. You know, I really love the dynamics within the songs, the dynamics between the vocals, it was great, it kept me really interested, but the problem with that is that y a des fois que c'est trop que, like kind of like I sort of like the songs aren't as memorable as they could be because they're so all over, they tend to be maybe a little too all over the place, but I don't know. You guys are like on expect but on much less crack. Non, moins which de I like. It's great because I can get into it more. C'est parce qu'il y a moins de dreads. And the mention is que Phil a dit for the drummers that like tight as shit. Just like it needs a little bit more variation to it. That felt like it was just like beat. You ride the cymbals a little bit too much. It's just yeah, give it a little bit more dynamics and it'll be fantastic. So like really great job other than that. Yeah. Woo! Yeah. Wires! Wires! Oui, ok, on est correct. Bon, salut tout le monde. Bon, ok, j'ai fini la discussion. Ils sont en train de jaser sur le stage, on va lui donner un break. Ça va, Sam? Je te dérange pas trop? Ok, merci. Merci beaucoup. J'ai trouvé que vous avez beaucoup travaillé sur votre prestation sur le stage. C'était ce qui était toujours, même que j'en ai parlé avec Micha, il m'a dit « Ouais, tu nous dis tout le temps ça, j'ai trouvé ça cool. » Vous étiez peut-être un peu trop dans votre bulle, par exemple, comme Paul a dit, il faut... Maud, regardez comment est-ce que Maud, elle regarde tout le monde sur le stage, là. Quand elle est sur le stage, regardez les yeux, regardez-y comment est-ce qu'elle regarde tout le monde, là. Et ça, c'est un exemple, Micha aussi. Les deux autres dans votre coin, vous étiez trop à l'ombre. Je me suis même fait dire ça débalance tout le stage. Il y a trop de monde à droite, il y a un gros trou à gauche. Essayez de
juste travailler là-dessus. Je pense que c'est à peu près la seule affaire qui vous manque dans votre prestation. Le restant, la musique, vous allez chercher plein d'affaires qui sont intéressantes. Oui, certaines transitions sont peut-être abruptes. Il y a peut-être des trucs qui manquent un peu de feeling, mais bon, c'est votre premier album que vous jouez ici. Vous n'avez même pas mon âge à la gang. C'est sûr que vous allez avoir le temps là, de vous améliorer. Puis, il y a juste les Rolling Stones. Polka, Vals, Tout de Kid. Mettez-en pas trop votre nouvelle toune. Elle a combien de minutes? Là? 6, 7, 8, 9. Il y en manque deux. Moi, j'en ferai deux tounes de 4 minutes peut-être. Là. Faut pas. Repensez-y comme faut là, dans votre local. Là. Réécoutez-la. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs là, de la part médiéva au black. Là, c'était peut-être loin un peu dans la même toune. Fait que le restant, rien d'autre à dire. Félicitations, j'ai bien aimé votre prestation. C'est à 22 secondes, c'est une joke. Bon, ok tout le monde, fait que ça va être c'est nous qui finissons ce soir. Oui, c'est pas compliqué, pour présentation, look, image, je vous donne la plus haute note à ce soir. Sérieusement, on a joué ensemble, vous en rappelez. Vous avez monté 200%, sérieusement. Je vous donne 9 sur 10. Ok, sérieusement. En contrepartie, par exemple, performance tagness, vous êtes les plus bas à soir. Vous êtes tellement planté en entrée, c'est comme tout le monde avait l'air d'un chien d'un jeu de quilles. Tout le monde s'en regardait en plein quand vous avez commencé après l'intro. Ça a tué le punch. Pour moi, j'ai fait « fuck ». J'ai dit « tabarnak » parce que je vous ai déjà vu en show. Fait que là, juste pour asseoir, parce qu'habituellement, je vous aurais donné plus que ça. Mais asseoir, ça a fait tout le monde s'en regardait puis tout le monde ne savait plus quoi faire. Je sais pas qui a « fucké » de quoi, mais tout le monde était perdu. Puis là, tout le monde, il n'y a plus personne était ensemble. Puis ben, vous êtes replacés. Ça, c'est bon, par exemple. Ça, c'est bon. Ça paraît que vous pratiquez. Vous êtes remplacés. Mais vraiment, à un bon moment donné, tout le monde s'est vraiment regardé. C'était vraiment, c'était palpable. Tu n'avais même pas besoin de savoir la toune. C'était évident que tout le monde était dans le champ. Ça a fait fuck juste à cause de ça. Je vous avais perdu des points. Je vous donne malheureusement 6 à cause de ça. Ça me fait chier parce que je sais que vous travaillez fort. Mais la réalité de ce que c'est ça. Côté présence sur stage, écœurant. Synchroniser le. Comme je vais dire, les looks, toutes affaires, c'est balancé. Moi, je vais désapprouver ce que Lex a dit à cause d'un certain côté. Oh! Bon, d'abord. Ouais, je m'en tabarnak. Avec la marche qu'il y a là, tu peux pas mettre quelqu'un en avant, anyway. Fait qu'il n'y avait pas le choix de plus se concentrer sur ce côté-là. Faut être sur le stage pour le savoir, ça. L'intro, génial, le sang, toute la kit, même je suis pas fan de ça. Faites-le toute la gang. Toute la gang, la tête en bas, que le sang qui roule, toute la gang. Vous allez tuer tout le monde avec ça. Toute la gang, full grim, parce que là, il y a le chanteur qui torche les culs de Chris. Mais là, il faudrait que tout le monde, même la drummer en arrière, avec ses baguettes croisées, la tête en bas, puis là, tout le monde se met un cul dans votre intro, tout le monde le sent se mettre. Ça serait fucked up en esti. Ça, vraiment, ça serait unique. Vous avez un cul dans votre intro, vous savez, puis tout le monde le fait en même temps. Ça serait génial. Ça serait vraiment génial. Moi, personnellement, là, c'est ça.